Salut les gars, bon, on se retrouve pour une petite partie drift encore comme la GTR. Donc là, on part sur un châssis MST édition, je sais plus. Elle est sortie pour les 10 ans ou je sais plus exactement. Donc quand je l'ai achetée, elle était complète comme ça. Et je sais que l'ancien propriétaire avait un système de cantilever, donc la suspension était là devant. Comme la Revo en fait. Donc je sais que ça existe, mais je n'arrive toujours pas à trouver ces options. Même le véhicule d'origine. Donc si vous connaissez bien le véhicule et que vous savez celui d'origine, je pense qu'il doit être tout en plastique, et où je peux trouver des pièces et où je peux trouver les options, ça serait cool. Ça serait super sympa de votre part si il y a des connaisseurs. Alors je vous montrerai en dessous le châssis. Voilà, un petit châssis carbone et tout. Donc voilà, je vais lui mettre une petite batterie et puis on va se retrouver au garage, hein, à drifter. Donc elle est faite vraiment pour drifter. C'est un châssis drift. C'est pas comme la GTR couleur or là. La GTR, c'est un châssis exprès pour la piste, donc il n'y a pas de débattement. J'ai même coupé les petites parties du châssis en carbone pour libérer les triangles en bas, mais du coup, à l'avant, il n'y a que Nini. Il n'y a pas de débattement. Et en fait, c'est toutes les biellettes, les triangles et tout, ça se bride automatiquement. Donc derrière, j'ai réussi à récupérer sur la GTR du débattement. Ça c'était cool, mais à l'avant sur la GTR, c'est ce qui manque. C'est pour ça qu'elle n'est pas aussi vivace qu'elle. C'est ce qui manque, c'est un peu de débattement de suspension à l'avant, et donc c'est dommage. Petite manette, donc plein de réglages et tout. J'ai trouvé ça, Stima là. Je peux mettre plusieurs récepteurs et tout, donc je pense que je vais même passer la GTR dessus. J'ai juste à acheter un petit récepteur. Donc il y a plein de réglages et tout ça, c'est cool. En drift, ouais, ça sert pour tout ce qui est direction, tout ce qui est patate, tout ce qui est bridage de direction, tout ce qui est... C'est assez cool quand même. Donc voilà, je lui mets une petite batterie et on se retrouve dans le garage. A tout de suite les gars. Salut Gabon, on se retrouve avec la petite... La petite Mitsubishi avec le châssis MST. Donc là, la dernière fois, j'avais mis le petit plot que là, j'avais mis là-bas pour faire une petite difficulté. Du coup, là, j'ai fait un point d'interrogation. Donc, on part là-bas du point d'interrogation et la boucle est là. Et j'ai rajouté encore en plus, dans la boucle, j'ai rajouté un plot. Pour pouvoir faire le tour, pour pouvoir repartir ou arriver de là-bas pour refaire un... et là sortir. Vous allez voir à peu près. Je vais allumer les lumières comme ça on voit mieux la voiture. Donc là, on vient chercher le plot. Là, on glisse. Là, on glisse, on glisse. Après, on reglisse et on repart. Et autrement, dans l'autre sens. Et comme ça. Voilà. Merde. On peut après modeler sa rentrée de voiture ou sa sortie. Là, ça devrait être chaud quand même. J'ai pas commencé que je commence à abîmer tout le terrain. On va le redécaler un tout petit peu encore. Ah. Ouais, là on est bien. Bon allez, c'est parti. Voilà, déjà. Faut que je m'y mette, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Ah, c'est pas mal ça. Hop là. Oh.
Oh. Ouais, c'est pas grave. Il ira le chercher derrière. Ah. Ouais, alors là, avec la barre bleue qu'il y a derrière, là, c'est assez... c'est chaud pour glisser comme on veut. Parce qu'il faut arriver un petit peu large. Là, on ressort. On va s'y faire. Voilà. C'est sorti. Allez, bim! Attendez, j'allais redresser ça, là. Bon, après, c'est de l'entraînement, hein. Même moi, hein, je suis pas là à dire que je suis super balèze, hein. C'est surtout pas ce que je veux. Mais voilà, je m'amuse un petit peu. Ouais, on va se le mettre là, sorti. Ouais, peut-être un peu plus par là. Ouais, parce qu'autrement, on va faire des grosses sorties. Ça sera pas trop top. On se réinstalle. Hop. Allez, bon. Ouais, c'est bon. Ça va. Ça va y aller. Houhou. Dis donc, j'ai pris large, là. Voilà. Ouais, c'est mieux. Parce que là, on arrivait, fallait arriver fort en fait. Ouais, je vais faire ça. Ah non. Je le refais. Ouais. J'ai mis une petite balayette là, au passage. Ah. Ah. Là. Ouais, elle est là. Hop là. Voilà. Donc, on s'amuse bien, hein. Ah, j'étais chaud là, j'avoue. Hop, c'est parti tout seul. Des fois, hein, on s'embarque comme ça, on a des aventures folles. Ouais, bah, peut-être pas pousser mémé dans les orties. Hein. Ouais, ça peut le faire. Ouais.
Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est moi qui ai mis ça là. C'est chelou, ça. On va déplacer un petit peu celui-là. Et puis celui-là, au pire, on va le mettre là. Hop, là. Faudrait que j'arrive à le rebinder pour avoir la marche arrière, parce que c'est bien la marche arrière quand même. Pour remettre les plots et tout, c'est bien. C'est à chaque fois. Ouais. Oh là là, oh le gars il est chaud là. Oh ça y est, ah bah voilà. La boulette. Ah non, ah, c'est bon, ça va. Allez. Ah ouais, je l'ai pris du mauvais côté, c'est pour ça. Voilà. Là, ça sera mieux, là. Ouh, bon, oui, ça sera mieux. Ouh, il est chaud, le gars. Ouais, bah oui, là. N'importe quoi. Ah non, peut-être pas à ce point-là. Là. Ah non, ah non. Toi là, ça aurait été cool une petite marche arrière. Ouais. Une fois qu'il est placé. Oh là là. On touche mais pas trop hein. Ah, touche pas. Oh le gars. Ah oh, oui. Oh il est chaud. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Tout de suite l'excès là. Ah. Ah oh, je suis bête, j'ai pas de marche arrière là. Ah. On va le mettre là. Et lui, on va le remettre là. Voilà. Ça fait une petite porte pour passer là. Ça va. Allez, vas-y. Détruis toute la voiture, monsieur Montier. Oui, un petit passage quand même. Hein. C'est suffisant. Et que dans les... Hop là. Hop. Dans les terrains de drift, bah après c'est sur vidéo, donc on... Des fois, on peut. Sur les vidéos, on voit pas pareil qu'en réel. Mais ils sont vachement. Sont vachement larges, leur terrain. Ah! Ah ouais, c'était obligé. J'arrivais trop vite, là. J'étais chaud! Voilà, c'est bon, j'ai tout cassé, je suis content. Allez, on se redéplace. Comme ça, moi aussi, je drift. Hop, je touche pas. Là, on est bien, marche arrière. Bip, bip. Hop, la manette. On se cale à côté.
Hop. Un petit frein. Hop là. Ouais, j'aurais pu un peu plus le tirer celui-là. Mais ça va passer, je pense. Ouhou. Ouhou. Ouais, ouais, ça c'est bon ça. Ouais. On va le remettre vite fait. Voilà. Il est pas bon. Attends, je vais le remettre. Bon allez, ça suffit. Ah, il était chaud là. Ah, je suis chaud là. On m'arrête plus là. Ah ouais. Oh, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça aussi moi. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, mais toi, faudrait que j'arrive un peu plus. Nickel. Alors, où j'arrive de là, moi? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est mort. Allez. Non. Ah, c'est mort. J'ai sauvé le truc. Ouh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, un peu chaud le gars là. Ouais. On va calmer deux secondes. Oh, c'est beau quand même. Oh, c'est beau, faut le dire. Avec tant de souplesse. Ah. Ouais, pas de souplesse là. Attends, j'en mets le plot. Voilà. Ouais. Après, avec la GTR, la couleur or, je ne pourrais pas faire ça. Hein. Ouais, ouais, c'est bon.
Ah, je défonce tout, moi. Oh oui! Oh, elle est passée! Et la petite dernière? Ah, elle est pas passée. Elle est pas passée. Après, on peut s'amuser. Bon allez les gars, là-dessus je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.